Au plaisir de vous retrouver dans la première grande édition de cette toute nouvelle semaine sur Nouveau Télé, l'atelier totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue, les titres. Dans la région du Tombouctou, des hommes armés non identifiés ont enlevé et tué 9 jeunes hommes en partance pour Tombouctou. Les victimes qui ont quitté Diré devraient se rendre dans la ville pour participer aux épreuves sportives dans le cadre du recrutement des forces armées. Les détails dans cette édition. Les délibérés des procès de dissolution du parti Sadi et d'atteinte au crédit de l'État de Dr Etienne Fakaba Sissoko ont été prononcés ce lundi 20 mai 2024. Si le Sadi de Dr Oumar Maruko a été sauvé de dissolution, Dr Etienne Fakaba Sissoko a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Vous en saurez plus au cours de ce journal. Placée sous le thème « La culture au service du développement », la 9e édition du festival Belenitou de Soumasso se tient du 18 au 22 mai 2024. Pour cette édition, plusieurs activités contribuant à promouvoir la culture Mianka et au développement local sont prévues. Les détails dans ce journal avec nos reporters. Bienvenue à tous aux informations. Affaire de dissolution du parti Sadi. Le ministère de l'administration territoriale a débouté de sa demande de dissolution du parti Solidarité africaine pour la démocratie et la solidarité Sadi par le tribunal de la commune 1. Tel est le délibéré prononcé ce lundi 20 mai 2024 en présence des militants du parti. Cette décision a été saluée par les avocats de la défense et les militants du parti comme une victoire de la démocratie. Les détails avec Amadou Diarra. Le ministère a été débouté de sa demande. En termes simples, le tribunal n'a pas fait droit à la demande de dissolution du parti Sadi. Tel est le verdict de ce lundi 20 mai 2024 du tribunal de la commune 1. Rétro. De quoi reproche-t-on au parti Sadi ou à son président? En tout cas, Maître Mariam Diawara et le secrétaire général du parti tentent de donner des explications. On ne reproche peut-être pas au parti Sadi, mais à son président, le Dr Oumar Maruko. C'est à lui qu'on en veut pour parler la réalité. Donc les arguments développés, il a dit, il a fait des déclarations, et quand on voit toutes ces déclarations, on voit que c'est un homme qui a l'amour de son pays, de son peuple, et qui fait des mises en garde, qui veut que la paix revienne. Certainement le gouvernement n'a pas trouvé que nous sommes suffisamment collaboratifs, et c'est nous pensons que c'est la seule raison, nous ne voyons pas d'autres arguments. Sans connaître le motif, cette décision de la justice est perçue comme une victoire de la démocratie, selon Maître Mamadou Camara, l'un des avocats de la défense. Maître Camara estime également que le parti Sadi n'avait strictement rien commis de répréhensible. Et donc, pour nous, c'est une victoire. Et c'est une raison d'espérer que notre justice se montrera de plus en plus indépendante face aux velléités de musellement des libertés au Mali. En tout état de cause, il reste à savoir si le contentieux de l'État fera appel ou pas. Du tribunal de la commune 1 du district de Bamako, on se rend au tribunal du pôle national de lutte contre la cybercriminalité où le délibéré du procès de Dr Etienne Fakaba Sissoko a aussi été prononcé ce lundi 20 mai 2024 sous les chefs d'accusation atteinte au crédit de l'État, injures, propos et nouvelles fausses mensongèrement attribuées à tiers, faits de mauvaise foi de nature à troubler la paix publique. Dr Sissoko est condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme et 1 an avec sursis et au paiement d'une amende de 3 millions de francs CFA. Un verdict jugé sévère par la défense qui promet de faire appel à la décision. Suivant Maître Ibrahim Oumarou Sako, avocat de la défense au micro de Lolomadi Baté et de Oumou Soundia. Un verdict sévère, déjà un verdict sévère qui va au-delà des réquisitions du parquet. Si vous vous en souvenez, le parquet avait demandé 18 mois, dont 6 fermes, si je ne m'abuse. Voilà que nous prenons 1 an.
un an ferme et un an avec sursis. Bon, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris. En réalité, on n'est pas surpris, même si on avait dit qu'on avait confiance en la justice. Mais on n'est pas surpris de la décision. C'est une étape. Nous comptons relever incessamment appel de ces décisions, parce qu'il y en a eu deux. Il y a le rejet aussi de la liberté provisoire. Donc on va relever appel de ces décisions et on va se retrouver à la cour d'appel, Inch'Allah, pour évoquer ces dossiers-là de nouveau. Comme on vous a dit la dernière fois, on se bat pour la relaxe. Quand tu te bats pour un client, c'est pour le libérer, pour l'innocenter. C'est ça le but de la défense. Si on n'y croyait pas, on ne se battrait pas. Nous y croyons. Et nous pensons qu'à la cour d'appel, on va obtenir la relaxe. Parce que le dossier, encore une fois, est vide. Le 15 mai 2024, dans un communiqué conjoint, les présidents des conseils régionaux de la jeunesse du Mali disent être surpris d'apprendre avec ironie la publication sur les réseaux sociaux par le ministère de la jeunesse des sports d'une décision portant création de la commission nationale de mise en place des organes du conseil national de la jeunesse du Mali, d'une note pour la mise en place des organes du CNJ, des nouveaux statuts et règlements de l'organisation d'une commission régionale et communale de mise en place des organes du Conseil national de la jeunesse du Mali. Des décisions considérées comme une agression contre le CNJ Mali sont rejetées par les conseils régionaux de la fêtière de jeunes du Mali. Parlons à présent de la première édition du Dataton Mali, une plongée dans l'analyse des données parasitocliniques et entomologiques sur 7 ans. En effet, la première édition du Dataton Mali a débuté ce lundi 20 mai 2024 dans un hôtel de la place. Elle réunit d'imminentes personnalités venues de divers horizons pour explorer les données parasitocliniques et entomologiques sur la période 2010-2017. Ces données provenant du programme ICMR Mali, Centre international d'excellence en recherche sur le paludisme, représentent une ressource précieuse dans la lutte contre cette maladie dévastatrice. Le reportage, Amnata Bachoukouné, Zakaria Oumar Keita. En partenariat avec le Centre africain d'excellence en bioinformatique et sciences à forte intensité de données de Bamako, les datatons visent à doter les participants d'outils analytiques avancés et à développer des solutions innovantes pour relever les défis liés au paludisme. La raison pour ces choix sur le paludisme, comme vous savez, le paludisme constitue la première cause de morbidité pratiquement chez nous ici en Afrique. Nous avons au cours de deux décennies, nous avons produit beaucoup de données sur tous les aspects du paludisme, aussi bien chez l'homme que chez les vecteurs. Nous voudrions que ces experts qui viennent des différents domaines, des informaticiens, des biostatisticiens, des bioinformaticiens, des médecins qui viennent mettre leur expertise ensemble pour poser des questions pertinentes à ces données, pour produire des résultats qui vont être publiés et des résultats qui vont permettre d'orienter aussi le succès de la lutte contre le paludisme. Cette première édition du Dataton Mali promet d'être un catalyseur d'innovation et de collaboration, jetant les bases d'une lutte renouvelée contre le paludisme en formant les participants aux nouvelles techniques de la science des données. Comme exemple, l'utilisation de l'intelligence artificielle, les méthodes sophistiquées d'analyse des données, dans les domaines aussi de la programmation informatique, pour mieux exploiter les données. À la clôture du Dataton, les trois meilleures équipes recevront des prix pour récompenser leurs efforts et leur ingéniosité. La première place recevra 1 500 000 francs CFA, la deuxième 900 000 francs CFA et la troisième 600 000 francs CFA.
2024, aux environs de 8 heures, des jeunes hommes en partance pour Tombouctou ont été enlevés par des individus armés non identifiés. L'incident s'est déroulé sur l'axe Goundam. Les jeunes hommes avaient quitté Diré pour participer aux épreuves sportives dans le cadre du recrutement des forces armées. Les raisons de leur enlèvement ainsi que leur destination demeurent pour l'instant floues. Nous venons d'apprendre de sources locales que les corps sans vie des 9 garçons ont été retrouvés par les FAMA dans la localité de Goundi. Leurs corps ont été rapatriés par un convoi des forces armées maliennes à Diré vers 13h. C'est toute une économie qui tourne autour des matchs de football dans nos stades à l'image de celui de Mamadou Konaté, nouvellement rénové. En plus des bonnes dames qui vendent pour joindre les deux bouts, des hommes s'occupent de la sécurité des motos et des voitures pour se faire de l'argent. Jolly Kagindo a fait un zoom sur eux, suivant cet élément. Pour suivre et soutenir leurs équipes préférées, les supporters ont besoin d'avoir un esprit que tout est sous contrôle, surtout pour la sécurité de leurs biens, leurs motos et leurs voitures. Des gens ne font que ça depuis plus de 10 ans au niveau du parking du stade Mamadou Konaté. Un papier glané. Nous avons un contrat avec les stades et à chaque changement de direction, on renouvelle le contrat. Actuellement, c'est une nouvelle directrice qui est arrivée et nous allons renouveler le contrat avec elle. C'est un accord entre nous. Après le travail, nous leur rendons le quota fixé et nous partageons les restes entre nous. Nous avons des tickets, un qu'on met sous le siège de la moto et l'autre au propriétaire. Et si jamais ça se perd, ça a des conséquences. La rénovation du stade a été une très bonne chose parce que les choses marchent bien. En tout cas, le stade est devenu très beau maintenant. Tout le monde tire son épingle du jeu, des vendeurs d'eau et nous les parkers. Sans doute, l'affluence, disons la clientèle, varie en fonction des rencontres et les derbys Stade Djoliba apportent beaucoup dans les petites caisses de ces agents de sécurité lors des matchs. Souvent, nous pouvons utiliser 5 carnets de tickets, mais 10 carnets, c'est un peu rare. Un carnet compte 100 tickets. Les jours où le stade et le Djoliba jouent, il y a beaucoup de personnes au stade. Il faut quand même reconnaître que depuis la réouverture du stade, il y a du monde chaque match. Dirigé par Chekina Sanogo, le groupe de gérants de parking des stades s'est dit être confronté à d'énormes difficultés. Pour remettre le ticket, souvent les clients sont impatients alors qu'il faut inscrire le numéro de la moto sur le ticket. Malgré cette mesure, il y a toujours des folles. Et en cas de folles, nous demandons l'âge de la moto et après avoir consulté les documents, nous achetons une nouvelle moto pour compenser celle volée. C'est assez cher car les prix varient entre 250 000 à 300 000 francs. Et 250 jusqu'à 300 000. À noter qu'il faut d'abord suivre une formation afin de rejoindre l'équipe qui gère le parking du stade Mamadou Konaté. Direction dans la région de Ségou, cercle de Bla, à Soumasso, qui vibre du 18 au 22 mai 2024 au rythme du festival Belenitougou. Un retour aux sources de la culture Mianka. À l'occasion, en plus des habitants de Soumasso, plusieurs personnes de l'intérieur du pays ont effectué le déplacement pour prendre part à ce rendez-vous annuel devenu incontournable au fil des ans. Retour sur ces moments forts avec Assitan Diallo et Ibrahim Dao. Comme à l'accoutumée, c'est avec des chants et des danses du terroir que les festivaliers ont été accueillis ce samedi dans la commune de Soumasso. Ah bon?
non yi daw ko nga dem rek at non ni tal nga non mo ancien ko roya anya ka olubi simena ko ubi simena o siraso woro ani banyana mankele femi ma aw na to soro ko na o ta soro ko aw bi simena ani aw be ku mogo mogo yi senta ka bo yi kono koro ibola dugo dugula ibola sigida sigidala ibola yoro yoro la ka soma so ko magen u ka miso jala ko ka fo ye ko bismillah ko awni amiku. Un accueil chaleureux qui rappelle l'hospitalité légendaire de la localité. Et nous sommes déjà mis dans le vif des activités du festival qui réserve, rassure-t-on, de belles surprises. Fin fait séance séa. Fin mon nato soro. Okana ou segita soro. Ama yine ala fe. Ni fin genu konu ou soro soma soa ou dumune kalamaye. Sinon foye kalamantou soro ya. San ou san. Ama essaye ka ko do ke ka anga du mogou lafia. O hokumu kono docteur ou nana nyine. Anga foli bouye. O ka bara nyumana. Ainsi viennent de débuter les activités de la 9e édition du festival de Somasso. Restez connectés sur Renouveau TV pour vivre ces festivités du début à la fin. Après la cérémonie d'accueil des festivaliers, ce lundi 20 mai 2024 a eu lieu la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du festival Belenitougou de Somasso. Placé sous le thème « La culture au service du développement », cette 9e édition promet. En plus des prestations d'art artistique, des matchs de football sont au programme ainsi que des spectacles pour enfants et des journées de consultation et de prise en charge médicale gratuite. La cérémonie d'ouverture a vu la présence des autorités coutumières, traditionnelles et administratives qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Les détails dans nos futures éditions. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt.